Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. On va quand même convertir Palatina ou... Ah, ça dépend de l'autonomie. C'est bien ça. Comme Palatina est une province avec 90% d'autonomie, ça me coûterait énormément de la convertir. Donc on va pas les convertir. On est passé à 5,1% avec la guerre du dernier épisode. Nassau est devenu mon copain. Donc on convertit pas. On baisse pas la lassitude de guerre, ça va baisser tout seul. À condition de pas avoir trop de provinces agitées. Ça fait trop pour moi, mais on va dire que ça va diminuer très vite sur la plupart. Ah, celles-là aussi, elles sont trop agitées. Je pourrais en ajouter dans l'Empire pour me faire des amis. En accordant la grâce impériale. On va pas le faire pour l'instant. Bon, il y a trois gars avec qui j'étais en guerre, donc ils m'aiment plus. Plus du tout. Je vais libérer la Silésie aussi. Donc, on pourrait les garder sous la poche. Faudrait que je mange la Picardie. Sans 36 de coûts d'annexion, alors que c'est un vassal qui fait 17 de dev. Pour 17 de dev, c'est pas mal, c'est vrai. Il y a un succès qui consiste à avoir deux UP mineurs sous notre domination en commençant avec 0. J'en ai une, il est envisageable que j'en ai une deuxième, donc peut-être qu'à l'occasion je ferai ce succès aussi. La Silésie, ils ont l'avantage de n'avoir aucune province dont j'ai besoin et d'être relativement loin des premières provinces dont j'ai besoin. J'ai pas à réclamer à la Poméranie, j'aurais pu. Est-ce que la Suède est aussi en guerre contre le Danemark? Ouais. Suède et Russie. Ça va pas l'aider, hein. C'est la Russie qui a déclaré ou c'est la Suède? Conquête suédoise. Gardons le Munster avec nous. Le Munster qui a des révoltes. Colonnais. On pourrait demander aux nobles plus de troupes. Donc, du coup, ils sont un peu fâchés. On a relié nos territoires grâce à eux. L'Autriche a des révoltes, on va aller s'en charger. La Bohème est devenue toute petite. Sans la Silésie, sans leurs deux provinces du Nord, sans ce qu'ils avaient mangé, sans tout ce que j'ai pris, forcément, il faut plus que trois provinces. Ah, la Saxe garantie, est garantie par moi, est garantie S. Bon, j'ai fait une avancée en termes de provinces que je devais contrôler. Je pourrais devenir défenseur de la foi. On laisse séparatistes un peu partout. Les Anglais, ils ont perdu quoi dans leur guerre? Oh, ils ont rendu des provinces à l'Écosse. Oh yo yo! Le mauvais plan, ils ont libéré cette île. Man. Le mauvais plan. Peut-être que la Suède va libérer un pays.
pourrais libérer Mecklenburg. Que ça m'arrangerait. Mais oui, Mecklenburg. Ils font pimpin. Maintenant, c'est une mauvaise nouvelle si ils se convertissent à la foi protestante. À moins que je passe finalement protestant, mais j'ai tellement lutté contre les protestants que ça me paraît un peu bête. Et la dernière province autrichienne est en cours de conversion à la foi réformée. La dernière province catholique. Ah, j'avais pas réalisé ça là-bas. Chez qui j'ai pas le passage? Chez eux. On leur demandera. Pour l'instant, ils me considèrent comme des gros méchants. La France plus encore. Ils sont hostiles. On va améliorer les relations. Donc j'imagine qu'ils veulent plus libérer qui que ce soit. Expansion agressive 44. Séparatiste S-Oi. De la S, c'est très très bien ça pour moi. Si la province passe à la S, je pourrais attaquer la S et prendre Kassel et Brunswick. Sinon, je peux demander à eux, puis eux, puis eux. Mais il y en a deux qui sont indignés. Ah, il est neutre. Il va bien me donner le. Ouais, hop. Bon, la province est déjà convertie. On va prendre un de réputation diplomatique. Nassau, il va être pour moi, mais pas tant que ça. Alors qu'on leur a accordé le titre d'électeur et tout. Parce que c'est qui leur suivant en liste? Oldenburg. Puis Clèves. Les autres sont loin. Suivant ça, ils étaient hongrois. Donc on va tout de suite aller voir en Hongrie. Pas en passant par là, de préférence. Est-ce que j'ai le choix en fait? Non, j'ai pas le choix. Pour l'instant, vous allez là. Les soi, ils pourraient se débrouiller pour rester sur leur pays, parce que si jamais ils font des alternances, ils se retrouvent dans des pays plus costauds, dans lesquels ils peuvent rien faire. Bon, vous avez fait votre siège, eux ils vont reprendre leur fort d'ailleurs. Palatina va se convertir, je pense. De force, forcée par ses rebelles. Pour l'instant, ils ont du zèle religieux. Je peux savoir combien de réserves j'ai grâce à 4000 pour les villes libres du Saint-Empire. C'est-à-dire que si jamais je peux gagner 3000 en refaisant des trucs du Saint-Empire. Et t'as 13 000
grâce aux états du Saint-Empire. D'accord. Donc je gagne 1000 par ville du Saint-Empire et 13 000 parce qu'on est 26 peut-être ou... Non, on est 30. Bon. Donc, à peu près la moitié, à peu près 400 hommes, peut-être 450 par état membre du Saint-Empire et 1000 par ville libre. À Nassau, j'aurais même pas proposé d'être une ville libre. Ça se trouve, ils auraient voulu. Les militaristes. C'est une monarchie. Attitude amicale et opinion plus 3. C'est-à-dire que si je monte à 200, j'aurai juste plus 20. Ce qui ne suffira pas. Dommage. Ils sont dans la Manche, Utrecht, ouais. Ils ont un nœud commercial. Est-ce que eux, ils voudraient plutôt me faire un transfert de puissance? Donc seulement 15% par contre. Ouais, non, il va y avoir les séparatistes hongrois, donc il va falloir qu'ils se poussent. Ou alors je réclame l'accès militaire là. Hop. Ça marche aussi très bien. On va repasser en vitesse 4. Hop. Je prends le prestige. L'intégration demande du temps. Picardie a été intégrée. C'est bien ça. Du coup, j'ai gagné 2000 hommes à eux. Ils étaient dans un état. Déjà tout fait. Würzburg, convertissons-les. Et je peux faire un nouvel état. Ouais, la S. Et voilà. Du coup, Francfort devrait pouvoir être converti à prix beaucoup plus réduit. Francfort, 11. Oh, ça reste beaucoup. Pourquoi il voulait aller là? Qu'ils ont fait un détour. Après, on va voir Würzburg. Non, c'est pas les mêmes là. On va se mettre sur Bamberg pour éviter d'avoir les révoltes les deux à la fois. À Bamberg, ils sont hérétiques, c'est pour ça qu'ils veulent se révolter. Par contre, je peux toujours pas la prendre, l'institution. Même si j'ai récupéré Francfort à 47% d'autonomie. Bon, du coup, ça se développe dans mon pays. Est-ce que je suis en relation positive avec Padoue? Ulm, non. Et je pourrais pourtant. Donc, on va essayer d'être en relation positive avec eux. Je pense que sur cette province-là, par exemple, on gagne. Une province amie voisine a adopté la presse imprimée. Alors que là. Ah si. Ah mais c'est parce que je l'ai là. Ouais d'accord. Par exemple là je l'ai pas parce qu'il y a juste une province limitrophe qui a adopté l'institution voisine. Une province limitrophe.
à adopter l'institution. Comme ils sont pas amis, ça va beaucoup moins vite. À l'Autriche, ils n'ont pas vraiment adopté l'institution pour l'instant. C'est pas presse imprimée? Si, bah c'est né juste à côté de moi. Et j'en ai pas encore bénéficié alors que c'est monté jusqu'au Danemark. Je pense que c'est parce qu'ils sont hérétiques que ça fait ça. Toi, tu attends un peu et hop, tu y vas. Histoire qu'ils arrivent pas dans le mauvais sens. Près de Francfort. On est à côté de Francfort. Et là, du coup, comme Bamberg s'est pas révolté, ils disent « Ah, on est à nouveau chaud pour se révolter. » Sauf que j'espère que les 4 diminueront avant la fin. Ah, c'est parce que j'ai beaucoup d'intolérance et j'ai de la lassitude de guerre. L'intolérance, par contre, je crains que ça n'avance pas. On aime moins les chrétiens qui sont pas catholiques que les autres. C'en est presque surprenant. Conversion Francfort, de toute façon ils vont se révolter. Prendre un bonus de discipline. Ah, j'ai énormément de points. Je vais faire un peu de développement avant de pouvoir prendre l'institution vraiment prochainement. Sur ma capitale, elle est presque adoptée d'ailleurs. Je pourrais développer du coup. Maintenant il me faut juste énormément de sous. On va désactiver les forteresses, à l'exception de celle de Francfort. Et comme il y a une forteresse à Francfort, on peut se permettre de baisser la maintenance de l'armée. Hop, comme ça on gagne quand même beaucoup de sous. Mes conseillers me coûtent très cher, je dois avoir un niveau 2. Ouais, celui qui fait prestige. On va prendre productivité pour l'instant. On descend doucement mais sûrement. Tous mes diplômes sont libres. Améliorons nos relations avec nos voisins, avec qui c'est pas fichu. Les smarts, on est déjà au max. Lunebourg, on pourrait monter de beaucoup. J'aimerais bien pouvoir améliorer mes relations jusqu'à 120 par exemple. Ce serait un truc vraiment chouette. Parce que là j'ai des tellement gros manus du fait de l'expansion agressive, des guerres, des frictions frontières, aller d'un rival, hérésie, dispose d'une revendication, que je peux pas vraiment beaucoup avancer. Qu'est-ce qui me manque en Allemagne? Enfin pour former l'Allemagne de ce côté-là. La province la plus à l'ouest, c'est S. Ou, enfin non, c'est l'Alsace, mais bon. Alsace, S, Brunswick. Et après, il faut que je monte relativement haut. Je pourrais prendre S, et Paderborn, ou Kassel, puis Brunswick. Ou alors Thuringe. De toute façon, il va falloir que j'attaque la Saxe, avec qui on est plus allié, qui m'aime beaucoup et qui vote pour moi. La Saxe, c'est un des électeurs du début. Je pourrais aussi faire disparaître le Palatinat, qui ne m'aime plus du tout, même si avant c'était un allié à moi. Il y a un moment où ils ont pris plein de rebelles et ils ont quasiment tout perdu. Je pense pas que la conversion de Francfort suffira à baisser suffisamment. Il n'y aura plus l'intolérance. Je vais passer de plus 5 d'agitation à moins 2. Il n'y aura plus la présence d'un missionnaire. Donc je vais prendre. Il y a 6 qui vont. Ça va évoluer de 7 plus 6. De 13. Donc on va passer de 21 à 7, grosso modo. Non, 8 plus exactement.
Quand le séparatisme aura disparu, ce sera fini. Ah, le Brunswick a récupéré sa province, alors que c'était S qui faisait la guerre. Et la Saxe les a attaqués. Pour une conquête? Ouais, sauf qu'ils n'ont pas été assez rapides, maintenant ils vont plus pouvoir conquérir quoi que ce soit. Et le Brunswick? J'ai aucun droit de les attaquer. La prochaine cible, ça devrait être l'Alsace. Une province à 15 de dev. Bon, la Pologne peut pas attaquer la Silésie parce qu'elle est dans l'Empire. La Pologne, elle est un peu coincée entre Poméranie et Silésie qui sont dans l'Empire, moi qui suis son allié et qui est dans l'Empire aussi. Ouais. On va venir les aider. Les Ottomans qui font une grosse frontière avec son plus puissant qu'eux, Kiev et Tchernigov qui sont tous les deux alliés à la Russie. Ah, la Pologne s'est alliée à la Russie aussi. Bon plan. Comme ça, la Russie, elle a plus beaucoup d'ennemis. Elle a Nogai, potentiellement l'ordre de Livonie ou la Lituanie. La Lituanie, c'est un mauvais plan pour eux parce qu'ils attaqueraient un de leurs alliés par alliance, du coup. Ils sont alliés à la Suède aussi. Et ils peuvent faire des conquêtes sur le Danemark. Ils avaient une province légitime qui leur restait, qui devait être à Novgorod et qui a été pris par le Danemark. Le Danemark doit perdre sa guerre de beaucoup. 15. J'ai vraiment tellement d'influence, c'est trop chouette. On va monter un peu le mercantilisme et augmenter nos chances d'être pape. il me faudrait. Il n'y a pas trop de risques qui convertissent des provinces. J'ai mes voisins autrichiens. Il y a des collines. On va quand même y aller. Ah, mais ils vont à Vienne et à Vienne il y a un fort. C'est des terres arables. C'est gentil, ils viennent m'aider quand même au cas où. J'ai pas besoin de le reprendre parce qu'il y a le fort à côté. Eux, ils vont dessus quand même. Ils savent pas qu'il y a le fort qui est en train de reprendre. J'ai pas du tout envie que le Tyrol se sépare. Ils avaient une revendication, le Tyrol, ouais. On pense rarement au fait que. Enfin, je pense rarement au fait que l'Autriche est pleine de petits pays. Parce que on les voit quasiment jamais. À part si quelqu'un mange l'Autriche et décide de la couper en petits vassaux, mais très rare. C'est en montagne, mais bon, j'ai la flemme d'attendre qu'ils viennent au fort. Vingt-trois sur le Palatinat, on va attendre. C'est pareil, ça va être pris tout seul. Oh. Ah, Kiev n'était pas allié à la Russie. Ou alors, ils ont attendu que Kiev ne soit pas soutenu par la Russie. Et il y aurait juste Zaporog. Zaporog. Allez-y, je suis sûr que vous n'avez même pas besoin de moi. Il y a 9000 hommes pour Kiev. Et Zaporog, ils doivent en avoir encore moins. Et vous avez 30 000 hommes. Donc je vous soutiens de loin avec les pom-pom girls que j'ai payées. On se raconte n'importe quoi. Je vous soutiens de loin en prie. Je prie pour vous, puisque nous sommes encore de la même foi, pour que l'hérésie cesse de se répandre chez vous, et pour que vous puissiez agrandir votre pays. En mangeant par exemple tout, je sais pas si tout c'est prenable. Oui, tout c'est prenable. Et vu que lui il est en. Si jamais il se débrouille bien, ils peuvent tout manger.
Et je pense qu'ils prendront pas de Kolokoa, ou alors il y aura juste Tchernigov, avec qui ils ont un allié commun. S'ils ont besoin, je peux aider quand même. Comme ça augmentera la confiance, je crois. Ça coûte vraiment super cher, on va pas faire. Par exemple, Bamberg ou les autres provinces. Plessen, c'est une province assez dev, je crois. Munich, par exemple, je la contrôle à 100%. Elle est hérétique. Elle a 42 dev et elle coûte 5. Alors que Palatina, il a deux fois moins de dev et il coûte 23. C'est quoi les guerres dans l'Empire? Ah, j'ai cru qu'il était en guerre lui. Il y a peut-être pas de guerre dans l'Empire. Ouais, la paix règne dans l'Empire. Bad vote plus pour moi, c'est pas grave, j'ai mes trois soutiens, les autres ils votent tous pour quelqu'un de différent. C'est bien fait que les IA électeurs ne votent pas pour eux par défaut, sauf dans le cas où quelqu'un d'autre vote pour eux, parce que gagner les élections avec un seul vote, c'est à peu près impossible. Enfin, ça doit être super rare. Il faudrait que tout le monde vote pour quelqu'un de différent et que l'empereur actuel ait zéro vote pour que quelqu'un puisse se faire élire alors qu'il est électeur et qu'il vote pour lui seulement. J'ai encore jamais vu ça. Les princes ont diminué. Il y en a encore 29, mais ça veut dire électeur et ça veut dire cité libre. Tu fais quoi la pauvre Poméranie là? Bon, ils seraient indignés, mais j'ai envie de leur réclamer quand même la province. Ça ferait un casus belli pour les attaquer. Ils sont alliés à Oldenburg, Frise. Je pourrais libérer plein de monde. Et j'ai aucun casus belli pour les attaquer pour l'instant. Ils ont eu la témérité de refuser notre demande. Tout à fait. Bien ce que j'ai vu. Punissons-les. On va améliorer nos relations avec Hambourg. Même si jamais c'est une de mes cibles. Je peux peut-être libérer. Je pense que je peux libérer. Le Lunebourg. La Saxe-Lauenbourg. Et Lübeck. Plus potentiellement le Brandebourg. En vrai, il me faudrait le Brandebourg pour moi, mais j'ai pas vraiment de frontières. Je pense pas que je puisse prendre de province pour moi dans le casus belli réclamer des provinces pour l'Empire. Où sont mes troupes? Je les vois plus du tout. Elles sont à Varsovie. Ah, c'est vrai, je les ai envoyées pour combattre. Ah bah la guerre est finie, grosso modo. Allons nous occuper des hérétiques ici. Ah, on pourrait se mettre sur la province, ça suffirait. Prenons des points pour chaque. Ah bah trop tard. Ils sont révoltés. 17 000. Ça aurait valu la peine de se mettre sur la province plus tôt. Si j'y avais pensé. Cède. Une province, Kiev cède 1, 2, 3, 4, 5 à Pologne. Ils n'ont pas mangé, mais ils ont bien progressé. Ah, ils contrôlaient pas l'autre province, je pense. Ouais, Tchernigov, il s'est dit, on va faire la même chose. On va manger Kiev et son copain. La Crimée est pleine de partisans.
Elle a un vassal et elle n'est pas vassale des Ottomans. C'est très bien. Les Ottomans ont progressé sur le Mamelouk et ils ont commencé à progresser sur Akkoyunlu qui a disparu de ma vision en tout cas. Et ils sont en guerre contre l'Irak. Et Soran a été libéré aussi. Ah, personne ne me suivrait. Et pourquoi expansion agressive? Ah, je pense que j'ai une trêve avec eux. J'espère que le casus belli va rester longtemps. Jusqu'en 84. Oula, ça va être long. J'ai pas de trêve avec l'Alsace. Je me dis, je pourrais les manger. Brême et trêve. Brême, ça m'intéresse pas du tout. Et trêve, c'est pas des électeurs. Je crois pas. Nassau, il vote pas assez pour moi. Hein. Je les ai libérés, je leur ai accordé le titre d'électeur, j'ai amélioré mes relations. Il va peut-être falloir que je m'allie avec eux ou un truc comme ça. Peut-être que j'aurais dû choisir la Silésie qui est plus loin de du cœur de l'Empire, qui a pas énormément de voisins du coup, et qui potentiellement du coup a moins d'amis. Autre que moi. Je fais pas de guerre contre la France, mais ils sont alliés à l'Espagne qui a toute la péninsule ibérique sous sa coupe, à part la province de Navarre qui est française. J'ai cru voir le succès de la conversion, mais non, mais c'est des hérétiques. Ils croient quoi? Qu'on est content? La Savoie, Hesse et Suisse. La Savoie n'étant pas dans l'Empire, je suis pour que la Suisse progresse, étant empereur du Saint-Empire. Et à la fois, je suis contre parce que la Suisse est dans mes Mécoa contre moi. C'est fou d'être à la fois pour que l'Empire progresse et à la fois contre. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve bientôt dans le suivant.